Quasiment 40 ans, jour pour jour, il découvrait le fossile de notre grand-mère, la grand-mère de l'humanité, Lucie. Retour sur une découverte qui a changé l'histoire avec nos invités, le paléontologue Yves Coppens et le géologue Maurice Taïeb. Bonjour et bienvenue. Bonjour professeur Coppens, on est ravis de vous accueillir. Dimanche, on fêtera non pas les 40 ans de Lucie, mais les 40 ans de la découverte de Lucie. Est-ce que vous aviez conscience, quand vous avez trouvé les os, les fragments d'eau de ce squelette de Lucie, vous avez tout de suite su que ce n'était pas un singe, que c'était quelque chose d'autre? Oui, mais ça a été un enthousiasme successif. C'est-à-dire que les premiers os, en effet, nous ont appris que c'était un hominidé, c'était un ancêtre. Ouais. Mais on en avait trouvé d'autres cette année-là, on en avait trouvé d'autres l'année d'avant. Donc c'était un élément de plus. Et, puis, et c'était une femme. Alors, c'était une femme. Voilà son sacrum. Ça, c'est le bouti. C'est un triangle équilatéral. Non, ça, c'est quoi? C'est son coccyx. Rendez compte ce qu'il a en main. Eh bien, vous savez, c'est le vrai sacrum qui a été trouvé. Il a été scannerisé et puis on l'a imprimé avec une imprimante 3D. Et on continue, on peut voir sa forme. Donc là, vous nous donnez à...